Et salut à tous et à toutes, c'est Cyber et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mon Let's Play sur Sly Raccoon. On commence dès à présent, on est déjà dans le bain étant donné que on est sur la phase finale du boss. C'est un peu plus difficile à couper. Donc la dernière fois on tentait de réussir cette mission où il fallait pirater les ordinateurs, mais il fallait récupérer tous les ordinateurs avant que les autres ennemis les récupèrent. Donc là pour l'instant on est mal parti, hop. Mais on peut encore y arriver. C'est assez serré. Ok. Ok. Par exemple, c'est eux qui l'ont récupéré au lieu de moi, c'est pas normal. Là, il y en a plein. On va tenter de les récupérer. Hop, on récupère. J'ai l'impression que les ordinateurs tombent quand même sur l'ennemi. C'est pas sympa. Hop. Ok. Ça, c'est pour moi. Ça aussi. Là on est vraiment en kit tout double. Ok. Donc j'y étais presque. On va faire une petite ellipse jusqu'au moment où j'y arrive, évidemment. Ok. Ok. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Et j'ai eu. J'ai eu un peu de mal, mais ça va. Au piège. Laisse-la où elle est. Elle nous pourchasse depuis le début. C'est juste un malentendu. Nous devons la libérer. Tu es fou, Sly. C'est probablement un piège de Clockwork. Mais Carmelita est condamnée si je ne fais rien. Et puis, les aventures seraient bien plus fades sans elle. Sly, ta logique insensée de raton laveur me donne le frisson. Mais si tu te sens d'y aller, ce tonneau te sera certainement utile. Même si j'ignore comment tu peux arriver là-bas. Ben... un saut en flèche, suivi d'un raton rail. C'est pas sorcier, j'ai de la pratique. Allez, allons sauver Carmelita. C'était vraiment compliqué ce niveau. Mais... ouh, j'ai eu chaud. C'était compliqué, mais j'y suis arrivé. Assez rapidement quand même. On va attendre un peu. Et maintenant on avance. Ok. On rentre dans le tonneau. Et c'est parti. Alors, comment on passe? Ok, pour l'instant... je peux plus passer là, on est d'accord. Ok, je me précipite. J'aurais essayé. On récupère de nouveau le tonneau. Et on y va discrètement.
Donc là, évidemment, faut que j'aille au centre. Et donc là, il faut que j'aille sur le bord. On va attendre un peu que ça passe. Ok. Là c'est chaud. Ok. Je vais attendre le prochain tour. Ça c'est fait. On casse ça. Voilà. Et c'est parti. Sly Cooper. J'aurais dû me douter que c'était toi. Vous vous méprenez, Miss Fox. Je viens vous délivrer. Ok. Zone de piratage. Ok. Ça c'est le genre de niveau que je déteste. Parce que le piratage, une fois sur deux c'est sympa, une fois sur deux c'est chiant, évidemment. Et on est plus souvent sur la partie chiante que sur la partie sympa. Ok. On passe. On passe discrètement. On récupère ça. Ok, donc si je me fais toucher par la partie rouge, je me fais one shot. Ok, niveau 2. On y va. On va tâcher de faire vite, mais bien. Ok, niveau 3. Niveau 3. Ça me fait beaucoup trop de dégâts, les collisions. Ok, hop. Niveau 4, forcément je spawn sur un débris. Ok, j'ai toujours un peu de chance. Qui reste pas parce que je me fais bloquer dans un coin. Ok, ok. On y est presque. 12. Le 13e.
Le 13e. Oui. Ouh. Ouais, c'est surtout parce que j'avais le porte-bonheur quand même. Sly, je me suis trompé à ton égard. Délivre-moi de ce champ magnétique en brisant sa base, et je te le revaudrai. Eh bah, pas de soucis. Poursuivons. Je ne comprends pas, Cooper. Ça fait des années que je cherche à te mettre derrière les barreaux. Et alors que tu peux enfin te débarrasser de moi, tu me libères ? Pourquoi ? Carmelita, bien que nous soyons chacun d'un côté de la loi, vous n'êtes pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est le cinglé qui a mis au point ce rayon de la mort et a tenté de nous gazer. Je comprends bien. D'accord. Je te propose que nous collaborions le temps d'arrêter Clockwork et son projet machiavélique. Enfin réuni. Mais cette serpe est à moi. C'est un héritage familial. T'inquiète pas, Raton. Je te couvre pendant ce temps. Si tu peux, va au sommet du rayon de la mort. J'y ai caché mon jetpack avant de me faire prendre par Clockwork. Maintenant que nous formons une équipe, on peut plus à m'éloigner de vous. T'inquiète, ce n'est qu'une trêve. Dès que nous aurons battu Clockwork, je viendrai t'arrêter. Vraiment ? Oui. Enfin, je te laisserai un avantage de 10 minutes. J'ai même pas eu le temps de voir les choses venir, je suis désolé. Hop, on va s'arrêter comme ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais que c'est pas cool d'avoir le menu pause, mais j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à lâcher le petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis salut à tous, c'était Cyber. Et à la prochaine. À plus tout le monde.